Il était une fois, en Irlande, un jeune homme qui jouait très bien de la guitare. Il se nommait Padre Cora et il voyageait beaucoup. Fiona était une jeune fille qui aimait la danse. Elle avait des yeux brillants comme des émeraudes et ses cheveux sont couleur rose. Un jour, Padraig arrive à Kilmallock. Ce jour-là, il y a une fête. Sur la place, Fiona est là et lance un défi. Messieurs, dames, j'épouserai celui qui joue aussi vite que je danse. Padraig entend et se propose de relever le défi. Il prend son instrument de musique et joue. Fiona l'accompagne en dansant toujours très vite. Mais à force de jouer, Padraig commence à avoir des crampes aux doigts et ne peut pas suivre et doit s'arrêter. Un soir, tandis que Padraig se promène près de la forêt de chênes, il aperçoit une silhouette. Fiona était là, entourée de fées. Padraig comprit alors que les fées lui avaient jeté un sort pour pouvoir danser toujours plus vite que la musique. Une fois que Fiona fut partie, Padraig s'approche des fées. Lui aussi veut avoir le même sort pour pouvoir jouer plus vite. Le lendemain, pour la fête des moissons, Fiona, présente dans le public, relance son défi. Padraig est présent aussi, il relève aussitôt le défi.